Le 17 novembre 2019, un homme de 55 ans tombe malade à Wuhan, dans la région chinoise du Hubei. Quelques jours plus tard, on lui diagnostique les symptômes du virus, qui sera appelé plus tard le SARS-CoV-2, à l'origine de la pandémie mondiale de Covid-19. Presque 2 ans plus tard, le mystère sur l'origine de la pandémie n'est pas encore dissipé. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, le Covid est un coronavirus de chauve-souris. Mais ce qu'on ignore, c'est comment ce virus est passé aux humains, d'où vient le patient zéro. Vient-il du marché aux poissons de Wuhan, où se vendaient poissons, serpents, chauves-souris, pangolins et tout plein d'animaux exotiques? Le virus s'est-il échappé par accident du laboratoire de haute sécurité situé à quelques centaines de mètres du marché aux poissons et qui étudiait précisément des coronavirus de chauves-souris? Le gouvernement chinois a tout fait pour bloquer ces investigations et on n'aura peut-être jamais de réponse définitive. Mais il y a une chose dont on est sûr, que les premières contaminations soient dues à un tragique accident de laboratoire ou qui soit dû à un animal hôte intermédiaire entre la chauve-souris et nous, que quelqu'un aurait dégusté sur un marché, que ce soit le pangolin ou un autre animal, dans tous les cas, on sait que le Covid est une zoonose. Une zoonose, c'est quand un virus, une bactérie, un parasite ou n'importe quel pathogène qui était capable d'infecter un animal passe la barrière des espèces et se met à infecter des humains. Dans cette vidéo, on veut vous parler des zoonoses et surtout des risques qu'elles font peser sur toute l'humanité. « 60% de toutes les maladies humaines et surtout 75% des maladies émergentes, c'est-à-dire des nouvelles maladies, sont des zoonoses et donc nous viennent des animaux. Le sida, Ebola, ils viennent à la base des chimpanzés. Le virus Zika, le chikungunya, la dengue, la fièvre jaune, toutes ces maladies transmises par les moustiques, elles viennent à la base des singes. Et il y a le MERS qui nous vient des dromadaires. Et puis, plus loin dans le temps, on a hérité la grippe des cochons et d'autres oiseaux. Pareil, la rougeole, c'est une zoonose qu'on a héritée des vaches. Et la peste noire, c'est une zoonose qui nous vient des rongeurs. C'est simple, la plupart des maladies qui ont ravagé notre espèce et tué des humains par millions, elles ont d'abord émergé chez les animaux avant de passer à l'homme. Ça signifie que si on veut éviter un prochain Covid ou une autre pandémie mondiale potentiellement encore plus grave, il faut absolument, c'est une priorité absolue, qu'on comprenne comment se créent des zoonoses, des passages de maladies entre espèces et puis surtout comment éviter qu'elles fassent trop de dégâts. Alors commençons par la base, comment un virus, une bactérie, un parasite passe-t-il de l'animal à l'homme? Une zoonose, ça peut se produire d'abord par contact direct entre un humain et l'animal ou ses excrétions. Ça peut être en le touchant, c'est comme ça qu'on attrape la brucellose, ou en se faisant mordre, c'est comme ça qu'on attrape la rage. Une zoonose peut aussi se produire indirectement quand on consomme la viande de l'animal ou un de ses produits, son lait, ses œufs. C'est par exemple comme ça qu'on attrape la listériose. Une zoonose, ça peut aussi nous être transmis par ce qu'on appelle un animal vecteur, un animal intermédiaire qui nous refile la maladie. En général, c'est des insectes. L'exemple typique de ça, c'est la peste. La peste, c'est une bactérie du rat. Mais nous, les humains, on n'a pas attrapé la peste directement par les rats, mais par un animal vecteur, les puces. Enfin, il y a certaines maladies d'origine animale qui, une fois passées chez l'homme, elles peuvent se transmettre directement d'humain à humain sans avoir besoin de l'animal initial. Quand ça arrive, c'est généralement assez méchant, ça peut donner des épidémies comme le virus Ebola, voire même des pandémies comme le sida ou le Covid dont on connaît les conséquences dramatiques. Ces maladies qui originellement viennent des animaux et maintenant se transmettent d'humain à humain, elles s'appellent plus techniquement des zoonoses mais des maladies d'origine animale. Dans la suite de la vidéo, on va appeler toutes ces maladies-là des zoonoses pour que ce soit plus simple. Bon, revenons à nos moutons, qu'est-ce qui fait qu'une maladie passe de l'animal à l'homme ? Le premier facteur favorisant l'apparition de nouvelles zoonoses, c'est la multiplication des contacts entre humains et animaux sauvages. La déforestation, l'urbanisation incontrôlée, la multiplication des exploitations minières, tout ça fait que les humains se rapprochent de plus en plus de la faune sauvage. Et dans l'autre sens, quand on fracasse leur habitat naturel, les animaux sauvages se baladent de plus en plus loin et finissent par se rapprocher des zones d'habitat humain. Mais ça fait aussi qu'il y a plus de contacts entre les animaux sauvages et nos animaux domestiques
domestiques qui gravitent autour de nous et tous les animaux vecteurs qui peuvent passer près des humains, les moustiques, les tiques, les puces, etc. Et ça, c'est not good parce qu'une maladie peut possiblement passer d'un animal à un autre et finir par infecter les humains. Cette urbanisation, la déforestation, toutes ces pressions qui rapprochent les humains des animaux sauvages, elles risquent de s'accentuer parce que, je vous le rappelle, d'ici la fin du siècle, la population humaine va beaucoup augmenter pour se stabiliser entre 10 et 11 milliards d'humains. Et il va en falloir des routes, des villes et plein de choses pour les caser, ces 3 milliards de petits nouveaux. Le deuxième grand facteur qui crée des gros risques de transmission de maladies de l'animal vers l'homme, c'est l'élevage et donc, par conséquent, la consommation de produits animaux. C'est simple, il n'y a jamais eu autant d'animaux d'élevage sur la planète qu'aujourd'hui. Et donc, logiquement, plus il y a d'animaux d'élevage au contact régulier tous les jours avec des humains, plus il y a de risques qu'un jour, une maladie passe de l'animal à l'homme. Alors, faut quand même dire un truc, contrairement aux animaux sauvages, ça fait longtemps que les humains vivent au contact régulier de vaches, de cochons, de moutons, de poulets, etc. Notre système immunitaire a donc déjà été exposé et préparé à leurs maladies habituelles, ce qui fait que pour les nouvelles maladies, les nouvelles zoonoses, les animaux domestiques sont moins à risque que les animaux sauvages. Attention toutefois, c'est pas garanti, de temps en temps il arrive qu'une maladie nouvelle émerge chez des animaux d'élevage ou des animaux domestiques et finisse par pouvoir infecter des humains. Là vous comprenez que pour maîtriser le risque d'apparition de zoonoses, il est méga important d'avoir un excellent suivi de la santé des animaux d'élevage et des maladies que peuvent contracter les éleveurs et ceux qui sont à leur contact. C'est d'autant plus important de développer un bon suivi vétérinaire des animaux d'élevage que les 10-11 milliards d'humains qui arrivent, on peut le regretter, mais ils seront pas tous végétariens. Faudra me tuer d'abord. Là, vous avez le tableau général, les deux grands facteurs qui favorisent l'émergence de zoonoses. Mais on tient à vous informer d'un facteur X qui pourrait, lui, complètement bouleverser les probabilités d'apparition de nouvelles maladies et donc potentiellement d'épidémies très graves. Ce facteur X, vous en avez bien sûr déjà entendu parler, c'est le changement climatique. Le changement climatique va bouleverser les environnements et donc déplacer les animaux, et particulièrement les animaux vecteurs comme les moustiques. Tout ça va augmenter ou modifier les contacts entre animaux et humains. Le changement climatique va aussi augmenter la fréquence et la violence des tempêtes, des inondations, mais aussi des sécheresses ou des incendies. Tous ces événements climatiques extrêmes hyper perturbateurs pour les équilibres naturels, ils favorisent l'apparition de zoonoses. Et c'est pas fini. La menace ultime, la bombe à retardement que redoutent tous les spécialistes quand ils réfléchissent au changement climatique, c'est ce qu'on appelle la fonte du pergélisol. Le pergélisol, c'est les terres gelées en permanence qu'on retrouve en Sibérie, au Canada, en Alaska. Quand la glace va fondre, il y a des grandes chances qu'elle libère des cimetières ou des carcasses d'animaux qui y étaient emprisonnés depuis des milliers d'années. Et là, qui sait quels virus ou quelles bactéries congelées vont se mettre à se balader? Surtout que c'est déjà arrivé. En 2016, il y a eu une épidémie d'anthrax en Sibérie qui a été causée par le dégel du permafrost. Et cette épidémie, elle a tué plus de 2000 rennes, un enfant, et envoyé des dizaines d'individus à l'hôpital. Là, je suis sûr que vous vous dites, oula, ça sent pas bon, on risque de s'en taper des nouveaux Covid ou des nouveaux SIDA. Avec le changement climatique, avec les 10 à 11 milliards d'humains hyper connectés qui voyagent en avion, des milliards d'animaux d'élevage en plus, on a tous les ingrédients pour que les pires épidémies qu'on voit dans les films d'horreur se passent maintenant dans la vraie vie. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir l'apparition des futures zoonoses et donc des potentielles futures épidémies méga meurtrières? Heureusement, oui. Alors déjà, il faut que les pays gros consommateurs de viande consomment un peu moins de produits animaux. Ça limitera la croissance du nombre d'animaux d'élevage. C'est pas compliqué à mettre en œuvre, ça réduit le risque d'apparition de zoonoses et en plus, ça limite un peu le réchauffement climatique. Mais même si c'est une des solutions, manger moins de viande, ça va pas suffire à nous protéger des maladies qui viennent d'animaux sauvages comme le sida, comme Ebola ou comme le Covid. Les épidémies de sida et d'Ebola, parlons-en. Parce que c'est à partir d'une réflexion sur ces épidémies que la communauté internationale s'est mise à réfléchir et à élaborer une autre façon de prévenir l'apparition des zoonoses. Trois organisations internationales majeures, l'OMS qui s'occupe de la santé humaine, la FAO qui s'occupe de l'agriculture et de l'élevage, et l'OIE, une organisation qui s'occupe de la santé animale, se sont rendues compte qu'elles devaient travailler ensemble pour prévenir ces futures épidémies. Leur point de départ, si on attend que la maladie passe à l'homme pour réagir ensuite, il est déjà trop tard. Les trois orgas ont donc décidé de s'approprier le concept de One Health, qu'on traduit assez mal en français par une seule santé.
One Health, c'est prendre conscience de l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et l'état de l'environnement pour essayer d'agir conjointement sur ces trois niveaux pour prévenir l'apparition et la diffusion des zoonoses. Au lieu d'intervenir sur l'homme quand il est déjà trop tard, One Health intervient en amont et la grande nouveauté, c'est l'intégration de la dimension environnementale. Parce qu'évidemment, se préoccuper de la santé animale, c'est quelque chose qu'on fait depuis des siècles, ça s'appelle la santé publique vétérinaire. Alors comment ça se passe concrètement cette approche One Health? Bah déjà, on peut prévenir l'apparition de zoonoses en limitant notre impact sur l'environnement. Deux exemples. On sait que les résurgences du virus Ebola en Afrique ont lieu dans des zones qui viennent d'être déforestées. Les populations humaines vivent donc au contact d'animaux sauvages, dont les primates qui peuvent transmettre la maladie. Comment faire pour prévenir ces résurgences d'un virus hyper dangereux? Bah d'abord, il faut tempérer la déforestation de forêts vierges. Ensuite, il faut former les populations exposées au danger qu'il y a à consommer de la viande de chimpanzé. Et enfin, il faut mener des analyses pour détecter le virus Ebola sur les chimpanzés avant qu'ils passent à l'homme. Autre exemple d'intervention sur l'environnement, c'est assécher marais et eaux stagnantes et améliorer les pratiques agricoles, notamment d'irrigation. Tout ça dans le but de diminuer les chances de déploiement de populations d'animaux vecteurs, notamment les moustiques. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont fait le lien entre développement de la population de moustiques et émergence de zoonoses. Intervenir sur l'environnement, c'est donc crucial pour prévenir l'émergence de zoonoses et protéger la santé humaine. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, sur notre site Osons Comprendre, on a fait une vidéo qui détaille toutes ces interventions sur l'environnement qui ont déjà sauvé des millions de vies. Prévenir les zoonoses, c'est aussi intervenir sur les animaux. Si on vaccine, si on protège, si on surveille attentivement la santé animale, on protège aussi la santé humaine. Souvent, dans les pays pauvres, la santé animale et vétérinaire manque de moyens. Pourtant, protéger la santé des animaux, c'est rentable à la fois monétairement et sanitairement. En Mongolie, l'OMS a organisé des campagnes massives de vaccination du bétail contre une maladie évitable, la brucellose. La brucellose, quand un humain est contaminé par contact direct ou par ingestion de produits laitiers contaminés, eh bien c'est assez sale. Ça cause des fièvres, des malaises, de la perte de poids et même des avortements. Du coup, est-ce que l'argent qu'a mis l'OMS était bien investi dans un pays pauvre qui en fait aurait peut-être pu en faire autre chose? Eh bien la réponse est oui. Des scientifiques ont évalué ça et ont montré que la vaccination a évité tellement de maladies que chaque dollar investi dans la santé animale en a rapporté entre 2 et 3 à la Mongolie. Pareil au Tchad, une campagne de vaccination des chiens contre la rage a sauvé énormément de vies d'enfants, et tout ça pour un coût dérisoire entre 50 et 500 dollars par vie sauvée. Malheureusement, dans les pays pauvres, ces investissements qui sont rentables à la fois économiquement et pour la santé humaine, eh bien ils sont pas faits, ou faute de financement et même parfois faute de vétérinaires bien formés. D'où la nécessité d'une coopération des acteurs internationaux et des ONG pour promouvoir partout dans le monde une approche One Health. Voilà. C'est justement ce que fait l'association AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières grâce à qui on fait cette vidéo. À Madagascar par exemple, un pays qui manque cruellement de thunes et de vétérinaires, AVSF va former localement des éleveurs aux vaccins pour animaux et aux autres traitements pour les soigner. Ils font ça en cherchant à s'adapter aux pratiques locales de soins, ils cherchent à évaluer quelles pratiques et quels remèdes sont vraiment efficaces. Les éleveurs qu'AVSF a formés deviennent ensuite des référents dans leur village, bref une ressource pour les dizaines d'autres éleveurs qu'il y a autour d'eux. Ces éleveurs référents seront capables de relayer les informations provenant des autorités sanitaires et surtout de lancer l'alerte si jamais chez eux une maladie émerge. Bref, on renforce le premier maillon de la chaîne de lutte contre les zoonoses, la santé animale au niveau des petits éleveurs locaux. La démarche One Health, c'est aussi soigner les animaux d'une manière qui ne nuise pas à la santé des humains. Et ce point-là, il concerne particulièrement les pays riches et leurs élevages industriels. Pourquoi ? Parce que dans les élevages industriels, le problème, c'est pas le manque de moyens pour soigner les animaux, c'est même plutôt l'inverse, c'est l'abus de traitements et particulièrement d'antibiotiques. Dites-vous qu'aujourd'hui, on utilise 2,7 fois plus d'antibiotiques pour les animaux d'élevage que pour les plus de 7 milliards d'humains. Comment c'est possible? Et bien parce que dans certains pays, on donne des antibiotiques aux animaux à titre préventif alors qu'ils sont même pas malades, et dans d'autres, on utilise des antibiotiques comme booster de croissance. C'est un scandale parce qu'à cause de ces élevages industriels qui carburent aux antibios, on fait face aujourd'hui à de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et ça, c'est un vrai problème, hein, parce que sans
médoc efficace, une infection bactérienne, ça peut tuer. Aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques et aux antimicrobiens, elle tue chaque année 700 000 personnes dans le monde. Et l'OMS est très claire, hein, elle nous prévient. Si rien ne change, en 2050, c'est des millions de personnes chaque année qui mourront à cause de la baisse d'efficacité des antibiotiques. On comprend pourquoi l'OMS fait tout son possible pour diminuer ou interdire dans les élevages de viande ou de poisson l'utilisation des antibiotiques ou en prévention à des animaux qui ne sont même pas malades ou encore pire comme simple booster de croissance. Et attention, hein, l'abus d'antibiotiques c'est pas le seul défaut des élevages industriels quand on réfléchit aux zoonoses. Déjà, dans les élevages industriels, les animaux partagent très souvent le même géniteur. Ils ont donc quasiment les mêmes gènes. Et cette homogénéité génétique, elle favorise énormément la propagation de nouveaux virus. Alors que dans les élevages traditionnels, il y a une diversité génétique qui protège des zoonoses. Aussi, je sais pas si vous saviez, mais on trimballe chaque année 2 milliards d'animaux vivants, surtout des poules, ou par la route ou par les mers. Si vous vouliez diffuser des nouvelles maladies dans le monde entier, vous vous y prendriez pas autrement. Là, vous comprenez que pour prévenir l'émergence de nouvelles zoonoses et de futures possibles épidémies, il ne suffit surtout pas de réagir une fois que l'homme est contaminé et que la maladie est chez nous, il faut agir en amont. Il faut comprendre l'interdépendance entre santé animale, santé humaine et état de l'environnement. Enfin, je dis comprendre, mais le problème, c'est qu'il suffit pas de comprendre. Là, il faut agir. Il faut que la communauté internationale finance des programmes, forme des vétérinaires et mette en œuvre tous ces principes Boinels et qu'elle le fasse pas juste au niveau des administrations, on a fait un chèque, mais qu'elle s'assure que l'argent, que la formation, elle arrive au niveau des éleveurs, des paysans, des vrais gens. Bref, qu'on fasse ce qu'il faut pour les gens qui sont au contact des animaux et donc des potentielles nouvelles maladies. Là, si vous voulez promouvoir cette démarche et aider à prévenir des nouveaux Covid ou des nouveaux Ebola de demain, n'hésitez surtout pas à signer le manifeste de l'association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Plus il y aura de signatures, plus ils pourront peser auprès des décideurs et auprès des financiers et ainsi protéger la santé des animaux et des humains. Alors avant de finir, je sais pas vous, mais nous on a pris une bonne grosse leçon d'humilité en préparant cette vidéo grâce à AVSF. Pendant longtemps, nous, les humains occidentaux et riches, on s'est pensé séparés de la nature, séparés des animaux. On se croyait à l'abri, bien protégés par les murs de nos maisons ou de nos villes, et bien en sécurité grâce à nos médicaments, à notre système de santé, à tous nos soins. Les animaux sauvages, même les animaux d'élevage qu'on déguste tous les jours comme ça pour notre petit plaisir, les forêts tropicales, les éleveurs qui sont au contact de tout ça, on n'en avait rien à faire, c'était en dehors de notre conscience personnelle et collective. Et là, on se prend la leçon du Covid. Enfin, je dis du Covid, mais c'est la même leçon que nous a donné Ebola, le sida, la vache folle, H5N1 et toutes les autres grippes du même genre. C'est une leçon qu'on aurait dû apprendre il y a bien longtemps. L'humain, nous, on n'est pas dans une petite bulle à part. Tout est interdépendant. Les animaux, l'environnement, l'homme, c'est interdépendant. Même la planète est interdépendante. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien ça va finir par nous toucher, nous, ici, malgré nos vaccins, nos murs, nos maisons, notre système de santé. Alors je savais bien que le réchauffement climatique allait bouleverser la planète entière et que personne serait à l'abri. Mais là je viens de comprendre que sans mise en œuvre de la démarche One Health, sans se soucier des pratiques d'élevage, sans se soucier partout de la nature et des animaux, eh bien on allait tout droit vers de nouveau Covid, de nouvelles zoonoses et de nouvelles pandémies. La prise de conscience que la déforestation qui déplace les animaux sauvages, je sais pas, un peu partout, au Brésil, en Zambie, en Indonésie, et ben cette déforestation, elle peut possiblement avoir des conséquences sur la santé de nos enfants, cette prise de conscience, elle doit avoir lieu aujourd'hui. Ça, c'est l'enseignement de cette vidéo, et nous, on a essayé de faire notre part en vous la proposant ici. Du coup, on compte sur vous pour la diffuser au maximum à vos amis, à votre famille, à tous les gens que vous connaissez et qui se croient au-dessus de la nature, au-dessus des animaux, parce qu'on a l'impression que si on veut se protéger des futures épidémies, c'est un message qu'on doit tous comprendre. Voilà, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. On se dit à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao.